Mpeke Ntolo Lurold Elfried, c'est l'identité de cette heureuse récipiendaire d'une bourse d'études de la Fondation Mesmé Kabat. Elle est détentrice d'une licence en santé publique. Cette dernière, accompagnée de sa mère et de sa cadette, a été reçue mercredi 28 août au siège de la dite fondation, si à Timbamba, à Pointe-Noire, par le président-directeur général Mesmé Kabat. Dans le droit fil de cet accueil aux allures diplomatiques, mettant en évidence l'esprit Kabat, celui de la promotion de l'excellence et de la méritocratie, il s'est ensuivi une séance de travail ayant culminé vers la remise officielle et solennelle à la récipiendaire d'une bourse d'études d'une valeur de 3 000 euros, soit environ 2 millions de francs CFA, qui lui permettront d'aller faire son master en santé publique à l'Institut Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie en Égypte. Lurol Elfried a bien voulu témoigner de la pertinence de la FOMECA. J'ai fait ma licence en santé publique à la Faculté des sciences de la santé. Et à ce niveau-là, j'ai décidé de participer à un autre concours pour atteindre l'Université Senghor pour passer un master en santé publique internationale. Et là, j'ai passé le concours avec brio. J'ai été sélectionnée pour l'entretien. J'ai passé l'entretien. Et après l'entretien, malheureusement, je n'ai pas pu être catégorisée parmi les boursiers de l'Université Senghor. Et donc, j'avais le statut non boursier. Et vu mon statut, je me suis dit, si je suis arrivée là, ce n'est pas pour arrêter aussitôt. J'ai fait une grande chose. C'est un concours international. 1850, oui. Candidat, et j'étais parmi les sélectionnés. Je me suis dit non, je ne m'arrête pas là. Et donc là, on repart à la maison Kabat, et j'ai frappé, j'ai écrit ma lettre, j'ai fait une demande auprès du président, et voilà comment est-ce que j'ai pu obtenir cette bourse. La tête d'affiche de la FOMECA donne ici un éclairage sur la portée de cette bourse. Nous faisons la promotion de l'excellence. C'est ce Congo que nous voulons. Le Congo de demain, c'est ce Congo de la méritocratie. Il y a 10 ans, vous avez été meilleur de votre établissement. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous prenez contact avec la Fondation. La Fondation vous connaît parce que vous avez été la meilleure de votre établissement. Et vous avez bénéficié de la bourse Fondation Mesmé Kabat. Et aujourd'hui, c'est comme une consécration. Voilà. Donc vous gagnez 2 millions de francs CFA pour aller poursuivre vos études à l'étranger. On se souviendra que depuis près de 10 ans déjà, la FOMECA promeut l'excellence en octroyant des bourses d'études aux meilleurs élèves des écoles publiques du Congo. Ainsi, Peko Ntolo Lurol Elfried, qui vient de bénéficier d'une bourse d'études à Alexandrie en Égypte, est une lauréate de l'an 2010 au CG Pierre Tikaya de Bois-Empire. Avant d'étudier, moi, c'est